l'histoire, Maserati n'a jamais vendu autant de voitures qu'aujourd'hui, près de 7000 en 2007. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter là. La nouvelle Gran Turismo débarquant, le marché des coupés de luxe est en plein essor. La Gran Turismo a une philosophie bien propre. Afin de se démarquer de la Grand Sport et de la Quattroporté, c'est donc une vraie GT capable d'offrir confort et haute performance, le tout pour 4 personnes. Raffiné, c'est ainsi que l'on peut qualifier la sonorité du V8 qui anime la Gran Turismo. Ce moteur est accouplé à une boîte de vitesse automatique avec palette au volant. 4 modes sont proposés, un mode automatique, classique, typé confort, un mode automatique typé sportif avec lequel les rapports passent plus haut dans les tours, un mode baptisé Ice, conçu pour les conditions de faible adhérence. La voiture démarre alors en deuxième et les vitesses sont passées à 3000 tours. Et enfin, un mode manuel. On utilise alors les palettes ou le levier, cependant le kickdown fonctionne toujours. D'une cylindrée de 4 litres 2, ce V8 développe 405 chevaux pour un couple de 460 Nm. Ce moteur sied parfaitement à la voiture, dont les 1780 kg ne sont du coup pas omniprésents. Le raffinement de la Gran Turismo se poursuit aussi à l'intérieur. Même si certains plastiques nous ont semblé décalés, l'ensemble est bien fini, le cuir est vraiment beau. Malheureusement, on doit avouer que certaines de ses concurrentes ont plus de qualité dans ce domaine. Porte bien son nom à son volant, efficacité et confort se marient à la perfection. Même si certains mouvements de caisse nous surprennent dès les premiers tours de roue, on s'y habitue, d'autant que la voiture fait preuve d'une grande agilité. On atteint ainsi certaines vitesses inavouables, sans vraiment s'en rendre compte. La boîte de vitesse, elle, se montre rapide, la direction précise. Cette Maserati, c'est du pur grand tourisme. Vendue à 110 000 euros, le rêve de rouler à bord d'une italienne grand cru est accessible.